elle s'inscrit dans le cadre de l'état civil. Parce que comme vous avez fait le constat, ici on était trop enclavés. Les gens ne s'occupent même pas des extraits de naissance, des actes même de naissance. Parce que les femmes ne vont pas accoucher à l'hôpital. Il n'y a pas un hôpital digne de son nom ici. Nous, nos mamans sont accouchées dans les maisons, au champ, dans la brousse, comme on le dit d'habitude. Ouais. Et aujourd'hui, dans notre village Boumouda, il y a un dispensaire. Il y a à Senghor qui est aussi là, un dispensaire. Mais jusqu'ici, il y a des femmes qui refusent d'y aller. Et parce qu'elles ne connaissent pas les risques qui sont là. Et même les parents, il y a des parents qui n'ont pas d'extrait de naissance. Maintenant, si le parent n'a pas d'extrait de naissance, comment l'enfant aura un extrait de naissance? Parce qu'eux, ils pensent qu'ils vont toujours rester ici. Les parents, certes, ils ont la chance de rester ici. Mais aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui, les enfants vont partir. Et beaucoup ont abandonné leur école à cause de ces extraits. Manque d'extrait. Mais je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Moi, j'habite il y a 3 km d'ici. En tant que fille, je suis la première fille d'étudier ici, dans mon petit village, Badoli. Très difficile. Une seule fille dans le groupe des garçons. Je recevais toutes les souffrances, mais j'ai tenu. C'est ici que j'ai fait mon CI, jusqu'au CM1, avant d'aller à Goudon. Ouais, pour faire le CM2 et la 6e. C'est là-bas que j'ai contrôlé le circuit, le cursus moyen. Bon, j'aimerais qu'ils mettent du sérieux à l'école. Moi, je veux dire que je leur suffis d'exemple, d'idole. Elles doivent me prendre comme une idole. Parce que moi, j'ai souffert. Les souffrances, cela ne veut pas dire que la souffrance ne serait-ce que pour aller en avant, à la réussite. Si vous voulez réussir, il faut accepter de souffrir. Ouais, il faut accepter de souffrir. Et si vous ne souffrez pas, vous voulez réussir, ce n'est pas bon.